Le jeu majoritaire n'est donc pas un jeu facile. Mais il est vrai qu'on ne peut pas être à la fois et dedans et dehors. On ne peut être à la fois en accord sur la tactique et en désaccord sur le fond. Car si l'accord sur la tactique permet d'envisager avec bien de l'imprudence, d'engager des batailles électorales, seul l'accord sur le fond permet de réaliser des progrès véritables. Que M. Germain soit pleinement rassuré, le gouvernement ne vise en rien à négocier avec des états-majors de partis et a fortiori à les annexer dans un ensemble si disparate qu'il ne saurait en aucune façon s'appeler une majorité, alors que la majorité, elle est là, elle existe. Nous avons déjà fait des pas sérieux, réels, vers une nouvelle société et nous allons continuer. La vérité, c'est que pendant ce temps, 3 ans, en effet, il y a du temps, vous n'êtes jamais, messieurs de l'opposition, parvenus à vous accorder et à vous accorder, et notamment M. Mitterrand, avec vos compères communistes. Ce qui n'est d'ailleurs pas étonnant, puisque vous êtes en désaccord fondamental avec eux sur des sujets essentiels et pas seulement sur celui du 23 avril dernier, sur tous les autres, les institutions, les libertés publiques, les libertés privées, je dis bien sur les sujets essentiels. Et la seule confiance que je vous fasse, c'est à eux comme à vous, c'est que rien, je dis bien rien, ne vous empêchera de conclure un accord électoral, purement électoral. Mais alors, n'attendez pas que le peuple français, n'attendez pas que ce peuple se laisse berner, se laisse duper. Et c'est pourquoi le verdict des prochaines élections, Monsieur Mitterrand, nous l'attendons, et nous l'attendons avec la plus grande confiance. Mais pour importantes que soient les confrontations électorales, il faut en revenir à ce qui est notre souci quotidien, les problèmes et leurs solutions. Et c'est l'instant de rappeler en un mot le sens du vote, non seulement que la majorité va émettre, mais que la majorité va vous infliger, messieurs de l'opposition, et va vous infliger d'un seul et même mouvement. D'un seul et même mouvement. Ce sens est clair. Accord sur l'action passée. Accord sur l'action à poursuivre. Et unité dans l'action entre la majorité et le gouvernement pour mieux assurer l'atteinte de nos objectifs, c'est-à-dire le destin de la nation et aussi l'avenir de la jeunesse qui monte. Il y a une demi-heure.